bientôt Noël, c'est bientôt Noël. Nanana, nanana. Bon, alors je suis allée à Auchan. Alors là, je me suis fâchée, mais quelque chose de bien. Alors tout d'abord, je vous expliquerai juste après. J'en ai eu pour 1,25 € et des petits gâteaux chocolat comme ceci. Surtout, regardez les dates, mais regardez les dates, je vous assure. Ça, j'ai pris 1,40 € pour ma fille, 1,45 € pour ma petite puce. Voilà, c'est sans conservateur artificiel ajouté. Celui-là, c'est au fromage, elle a l'habitude de le manger. J'ai repris 3 boîtes parce que je n'en trouve plus à 1,80 €. J'ai pas regardé la date. J'ai pas regardé la date. Mais je vais appeler le siège là parce que là, c'est grave. Là, franchement, c'est grave. Attendez, je regarde la date. La date, la date, la date. 2022, 2022 et 2022, je suppose. Bon, ça peut être aussi 2019. Ok, bien. Ok, alors donc du coup, j'en ai eu pour 1,85 € les petites comme ceci. En ce moment, elle mange que ça. J'ai repris pour 1,80 € du Lair d'Hammer. Lair d'Hammer, où j'ai fait un malheur. Du Lair d'Hammer où je fais un malheur. J'adore parce que ça, je le mange pratiquement tout le temps. Je grignote. J'ai pris du chocolat au raisin. J'ai payé 2,59 €. Alors peut-être c'est moins cher ailleurs, mais bon, en ce moment, je peux pas trop bouger. Je préfère aller modérément. J'ai annulé mon rendez-vous avec le kiné vestibulaire. J'irai mardi. Je vais expliquer. Donc du coup, bah, ça, c'est raisin noisette. J'adore. C'est raisin noisette, j'adore, 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 je l'achète tout le temps, il est à 2,59 €. Bon, alors là, en ce moment, il est à 7,75 €. Je crois qu'il est un peu plus cher, moins cher que ça, mais je me suis peut-être fait encore avoir, je n'ai pas contrôlé cette fois-ci, j'en avais marre. Mais voilà, il me semble qu'il était à 6,84 €, mais même s'il est à 7,75 €, ça va, c'est Maybelline, radiant liquide, le numéro 21, acide hyaluronique, collagène, franchement. Je me suis dit, j'en avais plus, mais je vais essayer. Les kiwis, je les ai payés 39 centimes chaque kiwi. Je me suis fait plaisir. Je vais pas regarder la date, mon Dieu, je vais pas regarder la date. Je vous assure, je vous dirai pourquoi. 18 décembre, bon, ben, ça a été fait aujourd'hui. 2,10 €, deux petites. J'ai envie de manger du chocolat, donc éclair au chocolat. Je suis fou du chocolat. Ce midi, je vais me prendre une petite quiche Lorraine, toute faite, là, de chez Marie. Je l'ai payée 1,85 €. J'ai pris un petit beurre pour... Bah après, attendez. Alors, j'ai pris des lasagnes au tofu. Je vais goûter. J'ai payé ça 2,85 €. Franchement, bah, je vais manger ça dans la semaine. J'ai repris, mais toujours... Ah, j'ai pas de micro. J'ai repris mes. Je vais pas aller chercher, tant pis. J'ai repris mes pêche-morceaux. Voilà, j'adore, 1,80 €. J'ai repris. Non, je n'ai pas repris. J'ai pris de la salade Alaska à 2,15 € ou 1,45 €, je ne sais plus. J'ai pris ça, ben, c'était pour ce midi aussi, mais je mangerai demain à midi. 2,45 € des gratins d'endives. Après, j'ai pris une mangue à 1,40 €. Si franchement, j'ai pas envie d'aller chercher le micro. J'ai pris un mini foie gras. Alors là, je l'ai payé 6,70 € la Nordie. Parce que mon ex-mari va m'amener des super terrines avec du foie gras et tout ça. Donc je me suis dit, je vais prendre ça quand même. J'ai pris un mini beurre à 1,25 €. J'ai pris des mini machins à 1,49 €. J'ai pris ceci pour aller avec le cadeau pour mon kiné vestibulaire 6,25 €. Je trouve que c'est parfait. C'est une petite boîte Champs-Élysées. Franchement, ce petit format, c'est génial. Et je regardais la date. Non, mais parce qu'une fois, franchement, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Il y avait des produits qui étaient bons jusqu'au 29 novembre, 20, 27 novembre. Franchement, c'est abusé, quoi. Abusé. Je leur ai donné, hein. Je leur ai dit, mais franchement, vous abusez. C'est lamentable. En plus, ils n'ont pas voulu me rembourser un produit qui n'était pas le même prix. Ça, c'est de confit d'oignon pour aller avec le foie gras et la petite terrine. Alors ça, c'était 2,45 €. Ils m'ont fait bicar 44 €. J'ai dit non. Non, 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 non. 2,45 €, c'est 2,45 €. Vous allez me rembourser. Alors, ils ont été regardés et tout. Elle me dit, ouais, mais parce que c'est une erreur. Je dis, mais vous ne pouvez pas faire attention quand même. Quand même, parce que là, ça devient dramatique. Moi, j'ai l'habitude de prendre du Broview. Vous savez, le fromage de brebis.
Quand j'ai vu la date 27 novembre, mais j'ai halluciné. Mais je vais vous le montrer, hein, c'est la vérité. Hein. Mais j'y crois pas. On est au mois de décembre. On est le 18 décembre et c'est le 27 novembre. Je vais aller leur dire. Hein. Alors ça, c'était 3 euros. Ils m'ont fait payer 3,50. Ils n'ont pas voulu me faire me rembourser parce qu'ils ont estimé que j'avais passé la caisse. Alors je leur ai dit, vous allez entendre parler de moi. C'est moi qui vous le dis. Donc voilà, 3 euros. Parce que je pense que tête de moine, c'est une nouveauté. Et je pense que dans les petits fromages, ça doit être très sympa. J'ai pris ce fromage-là, voilà, un camembert affiné au calvados, je pense que c'est assez sympa. Et j'ai pris ce petit fromage-là, alors j'ai payé 3 euros de camembert, c'est cher au champ, hein, c'est très cher. Hein. Et ça, je l'ai payé 2,25 €. 2,19 € les Mabivelles, ça va. Ça, c'est une petite fantaisie, c'est des croustillants pour manger avec, c'est une nouveauté, c'est régional. J'espère que c'est pas 6 mai 2021. C'est néerlandais. Bah voilà. Bah voilà. Je pensais que c'était français. 3 euros. C'est n'importe quoi. C'est trop cher. Mais bon, je me suis dit. Et puis voilà. Mon ex-mari veut ça. Il est comme ça. Oui, pas changé. Il veut ça. Scorpio, je l'ai payé. Alors, il valait 11 euros. Et ils me l'ont fait payer 13 euros. J'ai dit non. Mais c'est bon. J'ai dit vous arrêtez vos bêtises. Arrêtez là. Parce que ça commence à bien faire. Après, j'étais à la caisse, j'ai attendu, ça m'a saoulé. Franchement, quand vous voyez un produit de 27 novembre, non mais faut... Hein, je dis, vous allez empoisonner les gens. Elle dit, je suis désolée, mais c'est pas, il suffit d'être désolée, c'est, il suffit de voir le manager et de lui expliquer tout simplement qu'il faut aller dans le fond pour voir les produits. Voilà, j'ai rien contre les... Ça, à mon avis, ils sont peut-être pas assez, mais le manager, il est pas assez fort, quoi. C'est tout le temps. Tout le temps, quand j'y vais, c'est comme ça. Donc là, j'en ai un peu ras la casquette. Alors, on va ouvrir le numéro 18. 18. Ben, il est où? Ben, il est où? Ah non, le numéro 19. Oh, je suis complètement fatiguée. Le numéro 19. Oh non! Regardez, c'est trop chou. Ah, c'est trop mignon, j'adore. Voilà le numéro 19. Moi, j'ai ouvert le 23 sans faire exprès. Voilà. Ensuite... C'est plus dans l'ordre, hein, c'est pas grave. Ensuite, le numéro 19, il est là. Je pense que c'est un full size. Je crois. Ouais. Ah, vous vous rappelez que l'autre fois, il y avait un truc, il n'y avait rien dedans. Eh bien, c'était ça, des petits post-it. C'est trop mimi. Regardez, des petits cœurs, je vais mettre dans mon sac. Et puis, mais franchement, voilà, regardez comme il est beau. Il est magnifique. Et, wow, et pour finir, je dis bien pour finir, nous avons celui-ci, le 19. Oh, c'est une palette. Regardez, c'est une palette. Oh non. Oh, ça c'est nul. Non, enfin c'est nul. C'est une petite éponge. Mais c'est bien là, pour le t-shirt. Non, c'est pas mal. Voilà. Sur ce, j'en ai eu pour une note extravagante parce que je n'irai plus jamais à Auchan, c'est sûr, c'est fini. Je vais les casser d'ailleurs, je vais mettre sur Google avis parce que là, ils peuvent empoisonner des petites grand-mères. Hein. Une petite grand-mère, elle prend ça, elle regarde pas la date. Et ben, hop, 27 novembre. C'est pour ça que des fois, on a mal au ventre, on n'est pas bien. Alors, j'en ai eu pour 85 euros. Il faut savoir qu'ils auraient dû normalement me donner les 5 euros. Ils m'ont dit, je vous mettrai sur la carte. L'autre fois, ils devaient me mettre sur la carte, ça n'a pas marché. Du coup, j'aurais 7,19 euros sur ma carte. Mais quand, j'en sais rien, j'irai plus là-bas en tout cas. Alors, eh bien, vous m'entendez, j'espère, hein? C'est bientôt Noël. J'espère que je ne suis pas trop fatiguée. Ouais, j'ai plein de cernes là, mon Dieu. Mais c'est ça, il ne faut pas que je suis sortie, ça fait du bien. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour le Noël, pour le réveillon. Pareil, Picard. Enfin bon, bref, si je vous dis à chaque fois, moi je commence, c'est la cata. Tout d'abord, j'ai acheté ça, des poêlés de légumes glacés. J'ai payé ça 4,50 €. Des petites pommes salardaise en promotion 2,45 €. Des escargots de Bourgogne 2,99 €. Un millefeuille, alors ça il s'est rupture, un millefeuille au saumon, 17,95 €. Une
une canette farcie, 27 euros, je ne sais pas combien. Enfin, bref. Voilà. Ça, je me suis pris ça pour moi, des escalopes de dinde, j'ai payé 5 euros. J'ai pris des petites mignardises. Alors, j'en ai eu pour 6,20 euros. Elles sont trop belles. Hein. Mmh, je les connais, hein, elles sont super bonnes. J'ai pris 20 canapés. Alors, je pensais en avoir pris 40. Alors, du coup, je vais aller en racheter. Parce que 20 canapés, ça fait pas beaucoup. À la base, la première fois que j'avais commandé, ils avaient oublié. J'aurais dit, ben, vous me remboursez. Alors, ils m'ont remboursé, mais franchement, c'est n'importe quoi. En ce moment, tout est n'importe quoi. Et puis, j'ai pris pour 5 euros ou 6 euros du nougat glacé qui vont aller avec les petites mignardises. J'adore. Franchement, ça, j'adore. Nous, on aime bien. Attendez. Au secours. Au secours. Au secours. Vous voyez? Là, vous ne voyez plus. Hein. Oh là là, regarde, c'est quoi? Voilà. Ben, dis donc. Et je ne sais pas pourquoi, ils m'ont mis une tarte aux framboises que je n'ai pas commandée. C'est peut-être par rapport à la dernière fois qu'il y avait eu plein de problèmes. Voilà, c'est pas tout. Hein. C'est pas tout. J'ai commandé. Non, c'est tout, ça y est. Voilà, j'ai tout. Je vous ai tout montré. Voilà, et puis mon ex-mari va ramener des petites terrines super, de super bonne marque. Voilà, je vais ranger mes courses. Sur ce, je vous aime. Je vous dis I love you, je les veux dire, je t'ai quitté, ti amo. Je n'ai plus rien à acheter au niveau alimentation. Le pain. Et puis certainement non, pas de salade, je crois, pour à chaque fois on mange pas de salade. Voilà, le réveillon va être fait, le menu va être fait. Je voulais acheter du saumon fumé, mais j'ai vu sur 60 millions de consommateurs qu'il fallait éviter parce qu'il y avait je sais pas quoi dedans. Alors donc le foie gras, bon bah je sais pas. Moi je me gratte, je me gratte pas les fesses. J'ai horreur de ma culotte qui rentre dans les fesses. J'ai horreur de ça. Donc voilà ce que je fais. Désolée, je suis désolée. Voilà, bon, sur ce, bah, je vous dis bye bye, I love you, je t'ai dit, je t'ai quitté, je t'ai dit, bye bye. Il y en a un qui va rigoler quand il va faire mon montage, c'est Chris. Bye. Ciao, bye, parce que mon monteur, c'est Chris. Chris Kringle. Alors j'ai oublié, abonnez-vous, likez. Partagez, commentez, ich liebe dich, te quiero, ti amo, bye bye.